fiottes et la dalle. On va manger ? Combien de fois je dois te le dire ? Tu frappes avant d'entrer. Pourquoi ? T'es sur une borne, là ? Ouais, voilà, je suis sur une borne, tu frappes. Bon, on y va ou j'ai le temps de me faire une partie de FIFA, là ? Ouais. Deux secondes. Fini. Alors, notre accord tient toujours ? Intégrer le groupe Omicom, ça ne se refuse pas. Ouais, je sais. Sauf qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Ouais, mais c'est le jeu, Alexia. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais, je m'en charge. L'opportunité que je t'offre vaut bien un plan de licenciement, non ? Ouais, je sais. On se voit toujours lundi. Bien sûr. J'ai réservé une belle table pour sceller notre accord. Rendez-vous au Napoléon à 20h. Ok, très bien. À lundi. À lundi. Pourquoi tu passes pas au cloud plutôt que de te trimballer tout le temps avec ta clé comme ça ? T'as raison. Moi, je vais aller sauvegarder des données sur des serveurs, je sais pas où. Je connais rien des protocoles de sécu. Ouais, bah n'empêche que c'est pratique. C'est pratique. C'est pratique jusqu'à ce que tu te retrouves avec tes photos de vacances sur Google Images. D'ailleurs, c'est demain que tu pars en vacances, toi. Ouais, j'ai hâte d'y être. Hein. Une bonne cure des intox digitales. Plus d'ordi, plus de code et surtout plus de Facebook, quoi. Une semaine pour renouer avec Mère Nature. Plus de FIFA aussi. Ça va être dur. Excusez-moi, vous êtes attendu dans le bureau de Madame Lambert pour un entretien individuel. Ok, merci. Qu'est-ce qu'elle nous veut encore, l'autre sorcière, là ? J'aurai besoin de vous la semaine prochaine sur un projet très important pour l'avenir de l'entreprise. La semaine prochaine ? Il s'agit de développer une application intranet qui vise à connecter les collaborateurs d'une grande multinationale entre eux. Évidemment, le client souhaite rester anonyme, mais si le prototype lui convient, il vous confie la suite du projet. Mais je devais partir en congé demain, moi. Pourquoi vous ne mettez pas Sam sur le coup ? Il est très bon en intranet. Bah parce que Sam, je lui ai déjà confié un projet tout aussi important. Et concernant vos congés, bah, je vous signale que je ne les avais pas encore validés. Alors vous passerez lundi matin à récupérer le cahier des charges. Pas de questions. Thomas. Thomas. Je vous ai demandé si vous n'aviez pas de questions. Non. Bon. Non. Très bien. Vous pouvez disposer. Thomas. C'est un projet confidentiel. Vous n'êtes pas autorisé à communiquer dessus, c'est clair. Ok. Ce projet est confidentiel. Vous n'êtes pas autorisé à communiquer. Toi aussi, t'as collé un projet la semaine prochaine ? Allez, petite partie de FIFA pour te remonter le moral. Toi, tu sais me parler, hein ? Thank you.
mal, je suis condamné. Vous avez perdu quelque chose. Ah, Thomas, votre dossier est sur le bureau, là. Allez. Bon, n'oubliez pas, hein, vous avez rendez-vous vendredi devant la délégation client pour faire votre présentation. Hein. Oui. Bah, soyez prêts. Qu'est-ce que vous faites, là? Allez, allez au boulot, là. Ok, ok. Mais qu'est-ce qu'il est lourd, celui-là. Sérieuse là ? On m'a planté mes congés pour un truc pareil là ? Putain, mais en deux jours c'est taché son truc là ! Rendez-vous d'hier. Le Napoléon lundi 10. Tu devineras jamais. Vas-y, raconte. Alexia a rencard ce soir avec un certain JR. Et noté là-dessus. Ok. En quoi ça me regarde? Mais toi, je sais pas. Mais moi, ça me donne peut-être l'occasion de me venger. Oula, je veux rien savoir. Ça te dirait qu'on a discuté? Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Je suis sûr que c'est le cougar, la coquille. Voilà. J'ai rien entendu. On pourrait faire des photos compromettantes qu'on mettrait sur Snapchat. Mais toujours rien. Allez quoi, ça va être marrant. Marrant? Non mon gars, pas quand c'est la femme qui me signe mon chèque à la fin du mois, non. Ok. Ça va, j'ai compris. J'irai tout seul. Bravo, monsieur Gardier. Petite fiotte, là. Le gros dossier. C'est le genre de... d'endroit comme ici. T'es vraiment charmant. Non. Non, j'apprécie la bonté. Non mais ce qui est fou.
avez vu un flash, un truc là? Non mais c'est forcément un éclair. Alors 007, t'as trouvé l'identité du mystérieux prétendant Alexia? Non. C'est pas grâce à toi. Mais voilà. Viens. Ah. Oui, non, on voit pas bien que ça peut être. Non, mais en tout cas, Alexia a mis le paquet. Hein. Bon, je vais chercher à manger, tu viens? Allez, vas-y, je te revois. Bon, moi j'ai fini mon projet demain. Et toi, t'en es où? Oh, Tom? Hein? J'étais pas là, excuse-moi. Tu disais quoi là? Oui, je vois. J'ai pas entendu. J'ai fini mon projet demain. Déjà? Ouais. J'ai débile son truc en fait. Tu prends le bon framework, 2 jours c'est torché. Putain, mais en 2 jours, c'est torché, son truc, là. Ouais, tu me connais, moi, j'attends toujours la dernière minute. Ouais. Bon, jusque-là, t'as pas trop mal réussi. Au pire, tu te fais virer. Tu te reviens une place comme photographe chez Closer. Pourquoi tu dis ça? Eh, ça va, c'est une blague. Ouais. Ouais. J'y crois pas. T'as frappé à la porte. Ouais, je fais des progrès. Sérieux, c'est un miracle. Je vais même apporter un petit café. Ah, merci. Ouais. Putain, Tom, c'est la tenue. Qu'est-ce que t'as foutu? Regarde, j'en ai foutu partout sur ton dossier là. Non, je vais m'en occuper. Non, c'est confidentiel ça. De toute façon, j'en ai plus besoin, je vais le détruire. Non, mais c'est bon, c'est de ma faute. Non, mais va chercher du sopalin pour éponger tout ça. Ça va, je voulais juste me rattraper, moi. T'es encore là, toi? Ouais. Bah, il y a un moment, faut bien que je m'y mette, hein. Bon courage, à demain. Bonne soirée. Oh la pute.
S'il vous plaît, veuillez cesser toute activité et rejoindre les issues de secours. Ceci n'est pas un exercice. Allez! On a 5 minutes jusqu'à la fin de l'alarme. Allez! C'est pas un exercice! S'il vous plaît, monsieur, il faut évacuer, là. Mais on n'éteint pas nos machines? Non, 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 dans 5 minutes, ils sont en veille. Venez, venez. Voilà. T'as pas du Tom? Non. C'est bon, faut salaire, vous pouvez gagner au bureau. Bah t'étais où? Hein? Je t'ai cherché partout pendant l'évacuation. J'étais chez le teinturier, puis je me suis pris un truc à bouffer. Là. Ah bon, on mange pas ensemble à midi? Ah non, non, je suis trop à la bourre pour ma démo, là, dans le Don. Hein? Après, là, ok. Encore un. Alors, je viens de résumer donc l'ensemble des architectures techniques et des différents modes de connexion. Donc, je vous propose de passer directement à la démo. Je n'ai qu'à lancer l'application, que ce soit tablette ou smartphone. Votre utilisateur se retrouve dans le même environnement qui vous propose de vous loguer. Donc, hop, login et mot de passe. L'utilisateur va directement arriver dans une interface sobre. À partir de là, il n'a plus qu'à lancer ses environnements et surtout ses applications favorites pour je comprends pas, c'est une erreur de chargement, un bug, excusez-moi, je ne comprends pas en fait. Donc Alors, cette presse? Quoi? Ils ont pas aimé tes photos de vacances? Quoi? C'était toi? Et tu crois vraiment que c'est aussi simple de piquer un projet? Espèce de bâtard! Je peux tout leur raconter, là. Hein, ta petite mission d'espionnage, l'alarme. Hein, je pense que ça les arrangerait bien, là. Même pas avoir à te payer tes indemnes de licenciement. Alors tu me lâches, maintenant. C'est qui la petite fiotte?
c'est qui la petite fiotte? Eh ouais, mon gars, tu croyais que t'étais tout seul à avoir compris ce qui se passait? T'as voulu me la jouer à l'envers, tu te démerdes maintenant. Eh, hey, bonne chance chez Closer. Si la presse de votre collègue était des plus amusantes. Qu'est-ce qui se passe avec Alexia? Alexia? Elle vient juste d'être remerciée. Disons que elle a manqué de clairvoyance dans les affaires qui nous liaient, donc vous avez devant vous le nouveau président directeur général d'Imicom Arp Technologies. Intégrer le groupe Imicom, ça ne se refuse pas. Sauf qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. C'est le jeu, Alexia. Sauf qu'il n'y aura pas place pour tout le monde. Le nouveau président directeur de l'Imicom Arp Technologies. Ok. Félicitations. Merci. Mais parlons un peu de vous. Je trouve que vous avez fait preuve d'un bel esprit de concurrence tout à l'heure. Et ça, je suis persuadé que ça vous servira dans votre prochain poste. Merci. Pas chez nous. Hein. Je vous suis pas bien. Bah, mon petit Sam, voyons, vous êtes dépassé. Je vous en pardon. Mais Sam, comment vous dire? Vous avez quel âge? 40 ans. L'informatique d'aujourd'hui, c'est pour les jeunes. Et ça se passe en Asie. Là-bas, il y a des génies qui codent jour et nuit pour un dixième de votre salaire. Alors, vu que je doute que vous soyez résolu à baisser vos prétentions salariales à ce niveau, ben, la société est obligée de vous laisser partir. À regret. Donc ce monsieur va vous raccompagner à votre bureau pour que vous puissiez rassembler vos affaires. Non, non, attendez. Je comprends pas là. Eh, je l'ai fait, votre petit jeu. Hein? C'est moi qui ai présenté le meilleur projet. Oui, mais ça c'était votre deal avec Alexia, pas avec moi. Tout ça pour rien! Mais écoutez, je suis navré, mais c'est le jeu. Puis prenez ça comme une nouvelle opportunité. Hein? Allez, hein? Bonne chance dans votre nouvelle vie.